mes petits amis, donc moi je tourne dans la continuité de l'épisode précédent, mais depuis j'espère que vous allez toujours aussi bien, voilà. Donc aujourd'hui épisode de souffrance, hein, aujourd'hui je suis un peu en dépression, voilà, c'est ce qui est. Non, on va voir comment ça se passe, mais je réfléchis, non, je vais laisser, alors je vais vérifier quand même quelque chose. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Bon, j'aurais espéré qu'Eric soit niveau 30 en fait avant de commencer ce petit passage. Il est bientôt niveau 29, c'est un peu dommage. C'est pas grave, on va essayer comme ça et puis sinon on s'entraînera, hein, mais bon, peut-être pas dans cet épisode là, je le ferai off. Allez, c'est parti. Attention les yeux. Voici la salle avec les fresques murales. Oui, non, parfois je change le voix des persos comme ça, j'aime bien. Où es-tu, Sephiroth? Mais je suis là. Sûrement ce qu'il va dire d'ailleurs. Non? T'as le mec qui s'est doublé. Il fait froid. Je suis toujours à côté de toi. Viens. On est bien, viens. Et si t'as froid, mec, c'est que t'es en train de crever, hein. Bon, ouais, ça peut être un signe. Magnifique. Je vais casser un peu la gorge pour... Enfin, ça va. Prends ton temps. Une mine de connaissances. Je ne comprends pas ce que tu dis. Te marre pas, pourquoi tu sous ma gueule? J'ai juste dit que je comprenais pas. Tu me prends pour un débile, c'est ça? Tu veux te battre? Oh putain. Tu veux te battre? Je crois que je suis malade. Non, je déconne. Excusez-moi. Ouf. Ça va mieux. Regarde attentivement. Regardez quoi? Ton corps sexy. Ce qui enrichit la connaissance de... Finis tes phrases. On dirait Pèlerin 29, là. Arrête. Je ne fais plus qu'un avec la planète. Concentration sur sa voix, parce que j'ai l'impression que je la foire un peu, là. Je ne fais plus qu'un avec la planète. Tranquille. Maman, c'est presque l'heure. Bientôt, nous ne ferons plus qu'un. Je fais pas beaucoup de blagues quand je suis à Sephiroth parce que j'ai du mal à me concentrer sur ça, en fait. Comment penses-tu parvenir à ne faire qu'un avec la planète? Ce que j'aurais dû faire pour la voix des filles. C'est simple. Non, tu te calmes avec ton épée. Hein. C'est simple. Si la santé de la planète est en danger, elle réagit en rassemblant l'énergie spirituelle pour cicatriser cette blessure. Oula, il fait n'importe quoi avec son épée. La quantité d'énergie accumulée est proportionnelle à la gravité de la blessure. Que se passerait-il si une blessure menaçait vraiment la vie de la planète? Imagine la quantité d'énergie qui serait accumulée. Et moi, je serai au centre de cette blessure. Toute cette énergie incommensurable m'appartiendra. Par une fusion avec toute l'énergie de la planète, j'accéderai à une nouvelle forme de vie, à une nouvelle existence. En me fondant à la planète, je cesserai d'exister sous ma forme présente, pour renaître en tant que Dieu et régner sur tous. Je suis un beau gosse. Une blessure suffisamment grave pour détruire la planète? Blesser la planète? Regarde cette fresque. La magie de la destruction finale. Le météore. Ça n'arrivera jamais! Nine! Nine, nine! Réveille-toi. What? Que? Où es-tu, Sephiroth? Attends, Cloud. C'est pas moi qui ai passé, hein, c'est automatique. Comme les antibiotiques. Merci Vincent pour ton intervention. De rien. Oh putain. De rien. Là, Cloud, tu pètes un plomb. Cloud. Pardon. Cloud. Cloud. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de faire tuer en même temps, c'était horrible. Mais qu'est-ce qui se passe?
Ma terre noire. Cloud, ressaisis-toi, mon dieu. Appelle le météore. Cloud, ressaisis-toi. Bah tiens, ressaisis-toi. Cloud, je suis Cloud. Comment faire? Attends, vas-y, fais tes petits exercices de beau gosse dans le miroir tous les matins là. Je me souviens du chemin. Cloud? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Tu me regardes comme si j'avais pété un plomb il y a deux secondes? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Ça va, Claude, ce n'est rien. Bah, il a un peu pété un plomb, Iris. Sphiro, c'est parti, hein. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai compris ce qu'il disait. Alors, ça va être le météore, non? Nine? Je ne sais pas tout ce que c'est, mais... Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça tombe du ciel. Pff, ce n'est même pas un présage. Non, c'est un mauvais présage. C'est la tête de la magie. Exactement ce que disait Sephiroth. La dernière magie destructrice. El Meteor. El Meteorite. El Meteorita. Je pète un plomb. Elle fait appel à une petite planète qui dérive avec ses pouvoirs magiques. Ouais, c'est pas vraiment un météore, quoi. C'est une petite planète, c'est pas la même chose qu'un météore, tu vois. Ouais, bien que. Ouais, à réfléchir. Puis provoque des collisions, cette planète peut être totalement anéantie. Sephiroth? Ah non, excuse-moi, c'est Sephiroth. Ce n'est pas moi. ça, j'adore cette réplique, quoi. Non, ce n'est pas moi. Balab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 al
Surtout là. Parce que je crains... Ah non, ça va. Ah bah oui, t'es derrière en plus. Dans ta gueule, je suis derrière. Je suis derrière, je suis derrière. On va continuer à attaquer. Bon, du coup, la barrière, bien entendu, ça change rien pour ce souffle. Hein. Je précise quand même. Oh là là. C'est chaud. D'accord. Ok. Ok. Bon, je vous rassure, c'est pas ça que je craignais. C'est plutôt ce qu'il y a après. Oh yeah. Oh yeah. Je me gave. Oh, brassé dragon, je crois que c'est pas mal en plus. Et puis, alors, surtout ça, ça c'est génial. Le petit truc là qui est en train de. Pas de trace de Sephiroth. Il a disparu. Je sais plus si je peux sortir. Nous sommes enfermés, d'accord. Donc, je peux pas sortir, ok. Ça c'est réglé. Alors, on va faire un truc. Hop. Voilà. Non, je... Ensuite, brassé dragon, ça fait quoi brassé dragon? Arrête, attaque un demi, feu, glace, foot. Ça c'est pas mal, ça m'arrange. Ouais, 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 on va faire ça comme ça, on va te mettre ça. Est-ce que quelqu'un veut une veste d'Eden? Je regarde juste site si t'as des trucs. Ouais, donc on va éviter de te mettre une veste d'Eden. Hein. Je suis désolé, mais là, surtout pour là, c'est ça va pas être possible. C'est bon, je viens de regagner de la vie même. Ah, tu sais peut-être pourquoi. Oui, je sais pourquoi. j'ai juste des matériaux en moins, quoi, tu vois bien. Bah là, ça doit carrément l'arrêter. Qu'est-ce que j'ai perdu du coup? D'accord, donc j'ai perdu hâte, c'est pas hyper grave, hein, on est d'accord, c'est ce que je disais, c'était juste pour le fun. J'ai dû perdre destruction peut-être. Mais c'est pareil, c'était pas non plus très utile. Terre, feu, sentir. Bahamut, super chance couverture. D'accord. Par contre, Bahamut, ça m'arrangerait de le mettre. Donc là, Jiramu, d'accord. Ifrit. Et ben, c'est toi qui vas te taper Bahamut. Hein. La pauvre. Ok, c'est parti. Continue. Elmidoleth. Elmidoleth. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La petite pyramide. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'écrit dessus. Si, calme-toi. Alors là, il est en position excellente, on la voit pas, mais. Vas-y, viens là, viens là, viens là, vas-y, viens là. M-A-T-E-R-I-A-N-O-I-R-E. Sandwich au poulet? Non, il reste une chaîne, non, 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 non. La matière noire! Eh! Hey. Matière noire! Que faire, Cloud? On va l'agiter. Comme une boule à neige. Mauvaise idée. Attends une minute, je vais demander. Je ne comprends pas. Quoi? Iris, c'est pareil. Hein. C'est vrai? Non, non. Là, tu vis dans un monde imaginaire. Toi bien. Ils disent que le temple n'a rien d'autre que la matière noire. Cool. C'est quand même une assez grosse matière, quoi. Je veux dire, à transporter, ça va être un peu chiant. Hein. Que vas-tu dire? Donc, tout ce bâtiment, c'est la matière noire. Cool. Ce temple immense, c'est ça la matière noire? Mais alors, personne ne peut s'en emparer? C'est assez difficile, tu vois, c'est une maquette du temple. Et à l'intérieur, il y a un mécanisme qui le fait rétrécir à chaque fois que tu résous une énigme. À mesure que la maquette rétrécit, tu deviens toi-même plus petit. Jusqu'à ce qu'elle puisse tenir dans la paume de la main. Ah oui, comme une vraie matière, quoi, c'est un peu... Alors, si nous résolvons les énigmes, la matière noire deviendra de plus en plus petite et nous pourrons nous en emparer. Oui, mais il y a une condition. Tu ne peux résoudre les énigmes qu'à l'intérieur du temple. Et ainsi, celui qui résoudra l'énigme sera irrémédiablement écrasé par le temple. Ou plutôt par la matière noire. Et c'est comme ça qu'on fait des bébés. Je vois. Dans leur sagesse, les anciens n'ont pas voulu qu'une magie dangereuse puisse sortir du temple si facilement. Si il arrête de faire des bras tout le temps, ça devient l'autre. Je suppose qu'une matière aussi dangereuse, il est préférable de ne pas y toucher. Sid, tu pourrais faire une phrase correcte, s'il te plaît? Non, nous devons trouver un moyen de la sortir d'ici. Car les serviteurs de Sephiroth sont nombreux. Ils se soucient peu de les sacrifier pour s'emparer de la matière noire. Oui, ça, j'avoue, ça, c'est bien pensé, Cloud. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Et tu continues à l'agiter comme ça, mais t'es un gogol, Cloud? Non, mais Cloud, t'es un gogol, quoi. Faut dire ce qu'il y a.
Qu'allons-nous faire alors? Ah, excusez-moi, téléphone. Non, je déconne, c'est dans le jeu. Vous m'avez cru, hein, là les mecs ils ont tous regardé le téléphone. Ah, ah, ah. Bonjour Cloud, je suis Cassid. Oh, bonjour, je ne vous connais pas. J'ai tout entendu. Ne m'oublie pas. Je ne t'oublierai pas, chérie. Tu seras toujours dans mon cœur. Non, le cœur c'est à gauche, mec. Tout ce que tu as dit est parfaitement sensé. Je venais de vérifier que le cœur était à gauche, hein, excuse-moi. Tu peux... tu peux disposer de mon corps en peluche, oui, parce que bon, Cassid, tu peux dire ce qu'il est, c'est une grosse peluche, hein. Mec, on se demande s'il sert à quelque chose dans les batailles. Bon, en plus, son arme, c'est quand même un mégaphone. Tout va bien. Pour l'avenir de la planète. Nous ne pouvons pas laisser Sephiroth mettre la main sur la Terre Noire. Nous ne pouvons pas non plus laisser la Shinra l'avoir. Mais Cloud, tu n'as pas d'autre possibilité. Écoutez, faites-moi confiance. Bon, les petits amis, est-ce qu'on lui fait confiance? Petit sondage. Vincent? Bah... Ok, ta gueule. Sid? Je sais pas. Adrien! Ok, Sid. Donc on va faire ça comme ça. Oui, je suis schizophrène. Mais nous nous soignons. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Très bien, alors, laissez-moi faire. Dépêchez-vous, vous devez sortir d'ici. J'attendrai à la sortie. Ok, donc on sort d'ici. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y a un mec qui nous attend derrière, parce que là, ça m'arrangerait beaucoup. Mais normalement, oui, il me semble qu'il est toujours là. Ouf, oulala, ouais, non, alors vous, on va vite fait vous... Hein, vous voyez de la carte. Parce que là, je crois que ça va pas être possible. Hein. Hop, dans vos gueules. Ah bah oui, toi, tu peux pas invoquer parce qu'en fait, t'as plus de MP, quoi. C'est... Alors, par contre, j'éviterai d'invoquer Odin avec toi. Hein. Je suis en train de réfléchir parce que t'es juste un peu le mec qui soigne donc, et qui balance les barrières aussi. D'accord, et à part ça, tu peux pas faire grand chose. Bah écoute, on attaquera s'ils sont encore vivants. Mais t'es dégueulasse, Bahamut. Non, c'est son cri, je déconne. Un Bahamut plutôt bien fait d'ailleurs pour l'époque. Hein. Non, sans déconner, sur FF7, il était pas mal. Après, il a commencé à devenir un peu plus high-tech. Là, je parle de FF10. Non. Bahamut est toujours bien fait, quel que soit la FF. J'ai même pas vu combien ça fait de dégâts. Bon, ce que j'ai vu, c'est que ça les a tués. Ça m'arrange. Voilà, Aeris, t'es vraiment pas loin dessus. J'ai envie de faire un combat juste pour qu'elle soit niveau 30. Et tu peux toujours me soigner ou pas, toi? D'accord. Alors, écoutez, petits amis, avant d'aller plus loin, Bon, c'était un peu caméra, mais j'ai envie qu'elle soit niveau 30. J'ai une petite envie de la mettre niveau 30. Voilà. J'aime le challenge. Ou j'aime pas, parce que du coup, j'aurais pu le faire niveau 29. Bon, allez, il y en a bien un qui va me chercher quand même, là. Arrêtez. Ah, putain. Normalement, c'est que des... Ah non, ça peut aussi être ça. D'accord, ok. Ça m'arrange beaucoup moins, d'un coup. Normalement, je pense que ça va le tuer, non ? Parce que je sais pas si ça va nous donner tout le... L'XP nécessaire pour qu'elle passe niveau 30. J'ai un gros doute, là. Le doute m'habite. Non, ce n'était pas un mauvais jeu de mots. Oui, alors tout à l'heure, si je te faisais ça, t'étais mort, hein. T'en es conscient, peut-être ? Tout ce que je veux dire ? Alors, on va te faire un petit... Non, trine dans ta gueule, parce que bêta, j'ai un gros doute que ça te tue. Hop, propulsion, voilà, on va faire ça dans l'ordre. Vas-y, Sid. Donc ils ont quand même beaucoup de points de vie les... Les igloos là. Bon, là vu ce qu'il s'est pris, je pense que attaquer ça suffira largement. Voilà, je m'en doutais en plus. J'allais dire une petite attaque dans sa gueule. Une petite attaque dans sa gueule. Il va pas aimer. Bon, Aeris, rassure-moi, t'étais vraiment pas loin. Oh oui, t'étais pas loin. C'est parfait. Voilà, Aeris niveau 30, je suis content. Il est content, exactement. Ok, donc cette fois, hop.
Alors déjà on va enregistrer, hein, parce que ça va chier. Bon normalement en réalité je suis un peu le mec qui flippe, mais bon vu que je sais comment remédier à ce problème, normalement je devrais y... Oh le con. Ça c'est très con ce que je viens de faire. Bon, bah du coup, faut espérer que... Non, parce que je, sans faire exprès, je viens de sauvegarder sur la sauvegarde d'avant que j'avais faite sur l'épisode précédent, et normalement, je ne fais pas ça, au cas où il y aura un problème de montage aux épisodes précédents. Courage, j'espère que ça va le faire. Alors, donc... Ce qu'on va faire, les petits gars, c'est qu'on va tous vous placer en arrière. Voilà. Et puis, pendant qu'on y est... Voilà. Je peux pas retirer un calmant sur quelqu'un qui est déjà... D'accord. Voilà, normalement, ça devrait largement être bon pour ce qui m'attend. Vous comprendrez, hein. Je vous expliquerai quand j'y serai. C'est un peu la hantise de toutes les personnes qui ont joué FF7. Enfin, une des hantises, hein, parce que c'est pas la seule, donc faut pas déconner. Vous vous rappelez de ce bruit effrayant? J'ai dit qu'il n'était pas effrayant pour rien. C'est tellement chaud. Ce n'est pas bon. Oh non, Cloud, derrière toi. Voilà, parce qu'en fait, ce boss-là est horriblement dur. Parce qu'il fait très très mal, en fait. Mais bon, normalement, là, je devrais vraiment prendre pas grand-chose, vu comment je suis placé. Ouais, du coup, il va falloir jouer la magie. On va essayer demi, tiens, parce que je sais plus. Peut-être pas jouer à la magie en fait. Bah, et en plus, vous voyez, parce que là, il me fait quand même presque 500 de dégâts. Juste pour info, je suis derrière, je me suis mis calmant. Donc ça marche pas, d'accord. Ça va être super marrant par contre. En revanche, donc Ramu, du coup, ça sert à rien. Peut-être bio, on va essayer, mais j'ai un doute. Voilà, donc en fait, là, les dégâts sont divisés par 4, il me semble. Hein. Ouais, je crois que limite ils sont divisés par 4 là. En plus là je viens de me foutre barrière donc petit. Vous voyez comment il attaque? Comme un porc hein. Vous imaginez le mec qui met ses persos devant, qui met pas de calmant? Bah il a intérêt à avoir un sacré niveau. Et en plus ce connard est immunisé à presque à tout, c'est ça que j'adore. Ah oui vas-y, fais-moi plaisir. Alors du coup on va essayer bêta sur toi parce que on va pas trop avoir le choix. Guéri 2 quand même, parce que mine de rien, ça m'a pris plein la gueule. Ouais, donc c'est bien ce que je me disais, et le pire c'est pas ça, c'est que il a une résistance à la magie très 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 impressionnante. Donc là les petits amis, on en a pour environ 3 heures, parce que du coup il va falloir qu'on ne fasse que l'attaquer. Sauf peut-être une invocation qui pourrait être utile, c'est celle-là. Après il a peut-être une... Tiens, j'en profitais pour faire un truc. D'ailleurs oui, je vais vous expliquer, vous avez vu on voit les petites barrières là, du coup en barre. Voilà. C'est, franchement c'est génial parce que du coup on sait quand est-ce que ça s'enlève. Contrairement aux autres FF où on ne sait jamais, on met les barrières, et au bout d'un moment elles s'enlèvent comme ça. On comprend pas. Bah là du coup on sait quand est-ce qu'elles vont s'enlever, mais parfois on le voit même pas. Quand elles s'enlèvent sur certains FF, je ne citerai pas les noms, pardon, pas de délation. Voilà, c'est ça. Bah Mute lui fait quand même mal, mais c'est le seul. Après il a peut-être une faiblesse, hein, quelque chose, mais je sais plus quoi. Ouais voilà, donc là en plus il va pas tarder à faire son coup de pute. Rien à voler, d'accord, donc, comme ça c'est clair. C'est magique matra, mais j'y crois pas trop. Je suis obligé de refaire un guerrier 2, mais après je vais faire un petit sentir juste pour voir s'il a vraiment pas une petite résistance, enfin une petite faiblesse à quelque chose. Ouais, non, d'accord, c'est. Pff, la magie contre lui en plus c'est naze, j'adore. Il me semble, hein, parce que normalement quand on est en arrière ça ne change rien au niveau de la magie. On est censé faire toujours autant de dégâts. Alors, bah du coup, attaque, hein, malheureusement. Je peux pas trop compter sur les mythes puisque du coup je suis en tristesse. Alors, combien t'as encore de vie? Oh là là, ça va prendre 3 heures. D'accord, donc non, vraiment aucune. Ok. Ça peut encore aller.
Donc voilà, après c'est clair que pour ceux qui connaissent pas ce boss là et qui font limite une découverte, ils ont une sacrée surprise hein. Bonjour le fail. Salut. Mais mon dieu, il paraît tellement faible. Non. Iris, merde, tu fais quand même mal de loin, dis donc, j'ai l'impression. Je crois qu'elle fait presque aussi mal que Sid. Allez, fais voir. 132, Sid. 200, ouais, non. Non, quand même, quand même. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu déconnes? Ça, je peux vous dire que... Ah oui, bah oui, non, mais en plus, j'ai oublié, j'ai plus de barrière, moi. Il va falloir que je me remette une barrière. Alors, hop. Barrière, ça me serait utile. Après, il va falloir que je mette un petit guéridon dans ma tronche, ça serait pas mal. Mine de rien, il fait quand même des dégâts. Même là, dans cette configuration-là, où on est censé être limite invincible, il fait des dégâts, le petit cochonou. Hein. Oh là là. Encore une fois, imaginez. Parce que là, il attaque comme un porc, en plus. Hein. Et puis cette attaque-là, sans déconner, elle fait, il me semble, 1500 de dégâts. À chaque fois, au moins. Ouais, je crois qu'il n'y a que celle-là qui est limite gentille. Et encore, elle attaque tout le monde, donc c'est pas non plus forcément évident. Quoi. Ah, c'est cool. Du coup, c'est RS qui va soigner. Bam, bam, bam. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, du coup. Je sais pas, on va se faire un petit blind test en attendant. Je vais vous mettre une petite musique. Qu'est-ce qu'on a de beau? Petite musique Disney? Hein, puisqu'on aime les musiques Disney ici. Attends, les musiques Disney. Je crois que je vais refaire un sentir parce que j'aimerais juste savoir où on en est quand même. Ding, 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 ding. Vas-y, fais ta jetée démoniaque là, voilà. Ah oui, vas-y, ouais, vas-y, fais-moi mal. Ah ouais. Même au niveau MP, je crois que j'ai mal aussi. Hein. Y'a que Cloud qui va vraiment très bien, mais bon. Et il fait un salut en fait. Salut mec. 504, oh bah, c'est bon, il est mort. Et il est toujours 400 MP par contre. Hein. Lui, on se demande à quoi sert ses MP en fait. Je crois qu'il est mort là, peut-être, non? Non, même pas. D'accord. Non, parce qu'il me semblait que quand il mourait, il faisait une rush sur la gueule à tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, on pouvait avoir un game over même au moment où il mourait, quoi. Mais non, ça va. Bon, c'était pas évident. Oh, dynamite. Cool, Sid. Cool, 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 cool. Bracelet giga, je crois que c'est cool aussi, ça. C'est moi. Ah, bah non, excusez-moi. Pardon de vous avoir fait attendre, c'est moi. Je m'occuperai du reste. J'étais juste à la porte, j'aurais pu vous aider, mais je suis un connard. Soyez tous sur regarde. Get it. Allez, Cloud, dis quelque chose. Je ne suis pas très doué pour ça. Je comprends. Je ressens la même chose. Et si tu nous lisais notre avenir? Tu sais, en fait, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. C'est tellement excitant, pour le meilleur ou le pire, je reste le même. Maintenant, qu'est-ce que je dois prédire? Sortez vos mouchoirs. Eh bien, voyons jusqu'à quel point nous pouvons nous entendre, Claude et moi. Pas très bien, je préfère Tifa, je suis désolé. Ça ne sera pas gratuit, tu me devras un rendez-vous amoureux. Ok. Mais voici. Enfin, elle a dit ok. Si, il tient la chandelle. Ça n'est pas bon, je ne peux pas le dire. Pauvre Tifa. Non, raconte-moi. Je jure que cela ne me surprendra pas. Eh bien alors, je vais te le dire. Ça a l'air parfait. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Étoile d'Aeris, étoile de Cloud, elles vous promettent un avenir extraordinaire. Cloud, je serai votre intermédiaire, votre prêtre. Prêtre. Je ferai tout ce que vous me direz de faire. Appelez-moi simplement lorsque tout cela arrivera.
C'est gentil de me faire confiance, bien que je sois un espion. Eh bien, je crois qu'on peut se dire au revoir. Pas que je pleure. Ah putain. Bonne chance, Katsit. Elle m'a dit, fais ce que tu peux, je me sens si bien. Oh. Oh. Il m'a droit quand même. Katsit. Est-ce que vous auriez pas compris, il est en train de se sacrifier là. Oh là là, il est tellement mignon en plus. Oh, ce bug aussi était tellement mignon. Que s'est-il passé? Je peux continuer à me déplacer. Bah oui, encore eux. J'ai dépété une patte. Ils sont dans la merde. Ça doit être ça. Les anciens ont vraiment fait du bon travail lorsqu'ils ont fabriqué. Lorsqu'ils ont fabriqué ça. Je peux protéger aussi la planète. Je suis un peu embarrassé. Trop putain le bug. Il y a plein de gens un peu luches qui me ressemblent tout autour, mais moi je suis unique. Ça va être pas tout, mais je trouve ça tellement mignon quoi. Ne m'oublie pas. Même si un autre Katsit fait son apparition. Au revoir Katsit. Eh bien, au revoir. Je m'en vais sauver la planète. Oh là, putain. Ah, il y a des passages comme ça. Pouh. Je crois que ce FF là, c'est limite un des FF les plus tristes. Bah bon, ils ont limite tous un passage triste en fait quand on regarde les FF. Enfin, hein. À partir du 6, en tout cas, parce que c'est vrai que les autres, j'y connais moins bien. Mais ouais, à partir du 6, ouais, ils ont tous un passage bien triste, quoi. Et encore, ça, c'est pas le passage le plus triste. Hein. Je ne spoilerai pas. C'est de la matière noire. Ah bah oui, il est juste en bas. Est-ce qu'on peut... Putain, on va avoir une super invocation et tout ça, tout s'étend d'un coup, quoi. Je fume une cigarette dehors. Ah, c'est génial de fumer une cigarette dans un endroit pareil. Si, on s'en fout. Déjà, tu sais, le mec, on a un peu rien à foutre, quoi. T'sais. Putain, la super matéria. Place spaghetti. Oh là là, Sid, quoi. Tant que nous l'aurons, ces féroces ne pourra pas utiliser Météor. Récupérer élément clé, matériel. Non, élément clé, on peut pas s'en servir, c'est dégueulasse. Enfin bon. Même si on s'en sert, on détruit un peu la planète en même temps, donc je vois pas trop intérêt. Vous ne pouvez pas utiliser, les gars? On ne peut pas utiliser. Non, on ne peut pas utiliser comme ça, il faut de grands pouvoirs spirituels pour utiliser. Ah ouais, ça doit être pour ça, je suis trop con en fait. Tu veux dire, beaucoup d'énergie spirituelle? C'est ça. Les pouvoirs d'une seule personne ne suffisent pas. Dans un endroit spécial où est concentrée une grande partie de l'énergie de la planète. Ah ouais. Le Belchid, je suis en train de fumer une petite cigarette. La Terre promise. La Terre promise. On a compris. Non mais... C'est féroce, c'est différent, ce n'est pas un ancien. C'est vrai, il est peu probable qu'il trouve la Terre promise. Ah, mais c'est fait. Alors, si tu fumes plus, je suis bien supérieur aux anciens. Je suis devenu un voyageur de la rivière de la vie. Et j'ai acquis la connaissance et la sagesse des anciens. J'ai aussi acquis la connaissance et la sagesse des anciens après leur disparition. Et bientôt, l'avenir sera à moi. Je ne te laisse... Ah, c'est RS qui parle. Je ne te laisserai pas faire, l'avenir ne t'appartient pas. Oh ouais. Oh yeah. Je me demande... Debout. Chut. 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 Oh, je contrôle un petit clad. Oh, il est tout mignon, le petit clad. Il est tout mignon, je contrôle un petit clad. Le bruit. Là, clad, c'est bien. Non. Oh, là, ce petit clad qui est non. Non, tu n'as rien à craindre. Ouais, yeah. Non. Tintin, tintin, tintin. Là, faudrait mettre la musique de Vangelis, quoi. Tu n'as rien à craindre. Non. Tu n'as rien à craindre. Non. Tu n'as rien à craindre. Voilà, c'est moi qui m'éclate. Hein. Matin noir donné à Sephiroth. Super. Non. Tu n'as rien à craindre. Non. Oh là. Excusez-moi, là, j'ai carrément déconné.
C'était chiant le nain, hein. Hein, le nain, tu en as un crâne, hein, c'était chiant, hein, c'était chiant. Cloud, ça va? J'ai donné de la matière noire à Sephiroth. Oui, on a remarqué depuis d'ailleurs que Cloud semble se faire manipuler par Sephiroth, hein, c'est un peu inquiétant. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, Iris. Cloud, sois fort, d'accord? Psyde qui déconne complètement, là. Ouh, qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cloud, tu n'as rien fait. Ce n'est pas de ta faute. Bah, un peu quand même, il a donné un matériel noir à Sephiroth, c'est pas peine de chercher des excuses, parle de merde. Je suis. Oula! Donc là, il est en train de taper Iris, hein, pour info. Ouais, je pourrais. Hé! Ouh, on dirait que j'ai mal choisi mon moment. Bah, tiens, il y a Cassid. Je suis Cassid numéro 2, ravi de vous connaître. Oh, il est tout mignon! Cloud! Mais qu'est-ce que tu fais? Ouah! Assommage. Tout est blanc. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Je ne me souviens de rien. La mémoire. Depuis quand? Si tout ça n'est qu'un rêve, ne me réveille pas. Je comprends pas très bien là, hein. Il se passe des trucs, mais. T'en veux? C'est la bonne? Il y a quelqu'un caché derrière l'arbre là. On te voit très bien là. Ouais, fais pas semblant. Ouais, on te voyait. Cloud, tu m'entends? Oui, je t'entends. Pardonne-moi pour ce qui est arrivé. Oui, parce que tu l'as quand même frappé, Cloud. Hein. On ne frappe pas une femme, hein. À part si on a un gros connard de merde, une petite sous-merde. Mais sinon, non, je suis désolé. Ne t'en fais pas. Je ne peux pas m'empêcher. Toi. Ah oui, t'aimes être violent quand on fait l'amour. Oula, c'est épais. Alors pourquoi tu ne t'en préoccupes pas vraiment? Alors, laisse-moi m'occuper de Sephiroth. C'est délimité. Voilà, il y a un problème de couleur, parfois, c'est tout de même. Parce que c'est encore tapé. Cloud, fais attention à toi. Ne perds pas le moral, d'accord? Mais où est-ce qu'on est? Quel est cet endroit? Cette forêt permet de rejoindre la cité des anciens. Elle s'appelle la forêt endormie. Je sais où c'est. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que Sephiroth ne se serve du météore. C'est pour cela que je m'en vais le protéger. Seul un survivant de cette rage comme moi peut le faire. Ce secret est juste là. In my heart. Du moins en théorie, je le sens. J'ai l'impression qu'on haine quelque part. Alors, je vais m'en aller maintenant. Coucou! Je reviendrai quand tu seras terminé. D'accord? Iris? Iris! Ouf, putain, j'ai pas de souffle. Oula, ne crache pas sur le PC, enculé. Ah bah dis donc, j'aurais pu continuer longtemps. Elle a l'intention de s'interposer. Crois-tu qu'elle sera à la hauteur? Il va falloir s'occuper de cette fille. Mauvais présage que tout cela. On aurait dit un mauvais rêve. On aurait dit un mauvais rêve. Comment te sens-tu? Je crois que ça va. C'est bon, je ne savais pas ce qui allait se passer. Tu sais, Cloud, Iris est parti. Tout le monde est à sa recherche. Et ouais, donc c'était pas un rêve. La cité des anciens, Iris est partie là-bas. Toute seule? Pourquoi est-elle partie seule? Nous y allons aussi. Il n'y a que les anciens et Iris qui peuvent nous sauver du météore. Alors, nous devons partir. Que ferons-nous s'il arrive quelque chose à Iris? Si Sephiroth la trouve, elle aura des problèmes. Sephiroth, c'est déjà. Arrête de rêvasser. Allons-y, Cloud. Non. Je risque encore de la perdre. De perdre le contrôle de soi-même, à mon avis, c'est ce qu'il veut dire. Si Sephiroth s'approche de moi, je risque de...
Ouais, bon sang, c'est à cause de toi que Sephiroth s'est emparé de la matière. C'est ta faute. Barret, tu te calmes quand même un peu. De ma faute? Je sais que tu as beaucoup de problèmes, nous en avons tous, mais tu ne te comprends même pas toi-même. Tu dois comprendre qu'il n'y a aucun moyen de sauter de ce train en marche. Il faut attendre d'être arrivé au bout de la ligne. Claude, nous sommes allés très loin. Ne dois-tu pas régler tes comptes avec Sephiroth? Non, j'ai peur. Je vais rester là dans mon petit, tranquille là. Allez-y, cassez-vous. Ça continue, je vais devenir dingue. J'ai peur. Tu n'es qu'un imbécile, c'est tout ce que tu es. D'ailleurs, combien de personnes sur cette planète peuvent affirmer savoir si elles qui elles sont réellement? Voilà. Les gens sont déprimés parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Mais ils continuent à vivre, ils ne fuient pas. Je me trompe? Claude, tu iras avec nous, n'est-ce pas? Je crois en toi. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Partir d'ici? Partir? Pour où? Claude. Attends une minute, Tifa. Donne-lui un peu de temps. Il doit prendre sa décision seul. Tu crois en Claude, n'est-ce pas? Claude. Compréhensible, hein, il a peur de foutre le bordel, hein, parce qu'en effet, du coup, il a compris, Sephiroth le contrôle, et c'est vrai que c'est un peu horrible. J'ai peur de découvrir la vérité, mais pourquoi? Oui, parce que du coup, Sephiroth le contrôle uniquement lui, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a un souci. Il se passe quelque chose. Alors. Ah d'accord, je l'ai dans le cul, quoi. Vas-y, je voudrais me reposer vite fait, tu réveillais. Ces gens étaient si inquiets qu'ils sont restés près de toi jusqu'à ton réveil. Tu as de très bons amis. D'accord, donc je peux pas me... Ok, pas de soucis. Déjà, je ne veux pas barrêter tout le bordel. Claude. Hey, comment vas-tu? Je veux juste savoir lequel ce sera. Tu en sauras plus sur toi-même, ou as-tu peur de ce que tu vas découvrir? Quoi qu'il en soit, si tu restes là, tu ne peux rien faire d'autre que t'inquiéter. Même si tu piques ta crise à la vue de Sephiroth, ce qui doit arriver arrivera. Je retournerai ta petite tête de susceptible et je te ferai revenir à la normale. Ouais, tu me foutras de mandale, quoi. Claude, tout ira bien, nous sommes tous avec toi. Mais moi, je veux bien que Tifa me réveille. Pardon, excuse-moi. Ce qui doit arriver arrivera, ne t'en fais pas pour ça. Tu as raison. Il a raison, n'est-ce pas? Allez, partons à la recherche d'Iris. Y'a pas un point de sauvegarde aussi, normalement, là-dedans? Right, dude? Alors, du coup, le problème, c'est que, à mon avis, Sid, c'est pareil, donc il va falloir... Alors, bon, je vous rassure, on va s'arrêter là, mais je vais juste vite fait équiper mes petits persos, parce que, du coup, j'ai pas mal de nouveautés, il me semble. Avant de s'arrêter là, on continuera l'histoire une autre fois. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. C'est très loin d'être fini, hein. On en est qu'à un quart du jeu. Non, je déconne. Peut-être pas non plus. Le problème, c'est que, du coup, sur PC, on change pas de... Ah bah, lui, par contre, il a été soigné, quoi. Tranquille. On change pas de CD. Donc du coup, c'est vrai que... Bah on ne sait jamais où on en est, quoi. On ne sait jamais où on en est. Ok, alors... Hop. Ah, c'est vrai qu'on peut avoir des combats ici aussi. Je vais carrément zapper. Oh là là, je me suis gouré dans le droit en plus. Au pire, s'il y a un combat, je le fuirai, hein, parce que... Là, ici, ça me donne plus d'XP, hein. Je précise quand même. Je resterai en mode fuite et éventuellement je taperai là vite fait comme ça, tu vois. Hop, tu me cherches. Bim, mandale, bim, mandale, bim, mandale. Voilà. Je pensais que ça allait tuer par contre. Parce que j'ai tué d'un coup, mais que dalle, je suis un peu déçu. Alors, donc du coup, je crois que c'est ici, c'est cela. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, parce que du coup, je vais aussi à l'auberge pour, voilà, pour dormir après. Alors, donc niveau arme, on est d'accord qu'on reste là-dessus. Ok, on a eu un bracelet, c'est giga, c'est ça? Ouais. Ah oui, non, d'accord. Donc du coup, alors lui, je le mettrai pas parce que ça fait gagner beaucoup en défense. Alors, quand je dis beaucoup en défense, pas autant que ça non plus, mais pas mal. Mais lui, je le mettrai pas parce qu'il n'y a aucune augmentation. Donc ça sert à rien. Donc voilà, et la veste d'Eden, le problème, c'est que bah, il faudrait qu'on ait des choses qui soient pas liées, et j'ai un peu peur... Ah, attends, c'est pareil, Tifa, toi, que t'as qu'une de tir, mais du coup, t'en as deux. D'accord, grand travail, ok. D'accord, et en fait, toi, t'as... D'accord. C'est marrant, parce que j'avais eu un autre... Enfin, du coup, c'était en off. Ah, punch foudroyant, d'accord. Je pensais que c'était pour Iris. Pour Tifa.
Tifa, oh là là. D'accord, donc du coup, Tifa, t'es obligé de garder ta vieille arme, si je peux dire ça comme ça, parce que bah, elle est quand même un peu en retard en attaque par rapport aux autres. Ok, mais c'est pas grave. On va au moins te remettre tes petites matérias. Et je vous rassure, Iris n'a pas gardé ses matérias, puis de toute façon, si elle l'avait fait, je l'aurais tapé, hein. Ça aurait été clair. Non, attends. Voilà, c'est ça, glace. Hop. Parce que j'aimais les mettre dans cet ordre-là, c'est vrai que c'est con. Alors, ensuite, donc on va te mettre super HP, du coup elle avait Bahamut. Il me semble que t'avais talent de l'ennemi avec tous les petits talents de l'ennemi. Ah bah si, c'est elle qui avait talent de l'ennemi, hein. Ouais. Je préfère. Et, elle avait Shiva et Frit en plus. Waouh. Je peux en mettre qu'un, moi, du coup. Hein. Je peux en mettre qu'un. D'accord, le reste, c'était... D'accord. Eh bien, ma foi, je vais mettre... Bon, je vais mettre Shiva, parce que je la préfère. Tout con, mais ouais. Ouais, alors, le problème, c'est qu'en fait, lui, il a des invocations, mais au final, il a pas le droit d'invoquer. Parce qu'il a quand même les matériels, les magies de barrière et de soins, donc... Interdit ici, interdit. Une petite chambre, mon ami, c'est 80 guilds la nuit. Ben écoute, je vais payer, ça me saoule un peu, mais je vais payer. Voilà, bon, ben écoutez, petits amis, on va les sauvegarder, puis on va s'arrêter là, parce que ma foi, ce sera un épisode qui aurait été plutôt long, il me semble. Il me semble, mais on a au moins fini le fameux temple dans ça. La hantise des joueurs de FF7. Non, il y a. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a pire en fait que le temple dans ça? J'ai un gros doute. Je crois pas. Ça m'étonnerait. Rien doute. Ok, alors par contre, on a un Gongaga. J'aurais juste vérifié un truc parce que. Ah, d'accord. On est d'accord. Pas de voilà, pas de soucis. Notre petit avion est juste ici. Mais putain, l'avion en fait, il doit être vachement loin. Mais que dalle. Ah oui, on a eu une nouvelle limite avec Sid, mais du coup, c'est toujours au niveau 1. Ouais, ok. Donc il n'y a pas de soucis non plus. Il n'y a que Tifa, d'accord. Ok. Bon. Un petit enregistrement quand même. Bon, du coup, on va réenregistrer sur l'autre sauvegarde. Hein. Vu où on en est, c'est pas grave. Temple ancien. Hop là. Voilà, parfait, région de Gongaga. Donc, les petits amis, écoutez, sur ce, eh ben, je vais tout simplement vous dire à plus pour un prochain épisode. Et puis, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Salut à tous.